Salut tout le monde, c'est Eddy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on est parti pour un petit 48 heures à l'étang de Beaubry, donc c'est un plan d'eau privé dans le 71. Donc je connais plutôt bien le plan d'eau, donc je suis venu assez confiant, puisque l'année dernière je l'ai pêché vraiment sans savoir le connaître, et j'ai réussi à déclencher 17 touches, donc ce qui est plutôt propre, et j'ai réussi à toucher quelques beaux poissons. Donc c'était vraiment une très belle pêche. Donc je suis pas venu tout seul, je suis venu avec mes parents, comme ça on allait passer un super bon moment tous ensemble. Et j'allais leur faire découvrir un peu le monde de la carpe, et ça me faisait vraiment plaisir de leur faire découvrir ce monde. En tout cas, j'ai fait prendre pas mal de beaux poissons de. Bah voilà, premier poisson qui ouvre le compteur de la session. Magnifique miroir. Tac. On aura fait un super combat. Super départ aussi. Fait tout en muscle. On a vraiment fait un super combat, rien à dire. Yes, faut filmer la valise.
Bon, on se retrouve avec le troisième poisson. Une commune hors du commun avec une bosse. Une énorme bosse, une vraie bossue. Avec des couleurs juste magnifiques, des super couleurs claires. Magnifique commune. Enfin, super combat de surface. Vraiment magnifique. Magnifique poisson. Yes. Bon bah voilà, après la présentation de la commune, peut-être une heure après, j'enregistre encore un départ. Cette fois, une belle miroir tout en longueur qui aura fait un combat, mais juste incroyable. Vraiment une torpille ce poisson, je suis pas prêt de l'oublier. Ça c'est un poisson un peu zéro. Bon bah voilà, la nuit venait d'être tombée, c'était 22h40 à peu près. Gros départ sur ma canne de droite, je prends, je sens que c'est vraiment lourd et je ramène ça au bord et vraiment un poisson magnifique, une super bicolore, c'est vraiment un poisson à pas oublier ça. C'est piqué ? Ah oui. T'as encore une bonne moyenne. On va encore faire un gros poisson. Bon bah voilà, un magnifique poisson qui sera venu mort sur la canne de mon beau-père. Mais heureusement il n'a pas dû prendre la touche parce qu'il est parti chercher à manger. Je vais vous présenter ce poisson. Magnifique miroir, avec des couleurs très claires, bien nerveuse, qui aurait fait un super combat. Magnifique poisson. Doublé. Doublé.
et elle m'a déroulé dans la main. Incroyable, je venais de l'attendre parce que c'était la canne qui avait fait le doublé de tout à l'heure, enfin l'une des deux cartes du doublé. En train de mettre l'écureuil et elle m'a déroulé dans la main. Incroyable, j'ai jamais vu ça, incroyable. C'est incroyable, elle m'a déroulé dans la main la canne. Le poisson qui aura mordu en même pas 10 secondes. Je venais à peine de mettre l'écureuil que c'était parti. Super miroir. Super combat. Et aussi dans le tapis, alors on a terminé le combat. Super poisson. Yes. Comme vous l'avez pu le voir, la soirée s'est super bien passée. On enregistre 3 touches, allez, en 1h, 1h30 de pêche, donc c'est vraiment propre. Ils ont une carpe qui a vraiment mordu en mettant l'écureuil. J'étais en train de mettre l'écureuil, le fil a déroulé dans ma main. J'ai pris contact, j'ai senti le poisson, j'étais content. Donc la nuit s'est super bien passée, je fais un petit bilan de la nuit. Mon beau-père touche un poisson sur le coup des 23h. Un magnifique miroir qui aura préparé un très très beau combat. Moi je fais un poisson ensuite, un joli steak. Ça a venu me voir sur le coup des 1h du matin. Et ensuite le dernier poisson de cette nuit qui sera aux alentours de 3-4 heures du matin. Donc la nuit vraiment a été mouvementée et c'est vraiment très cool.